بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضا. أما بعد، il y a quelque chose qui attire l'attention, surtout à l'occasion des mariages, par exemple, ou des fêtes en général. On prépare ça depuis un bon moment. Comment dirais-je, on va faire beaucoup de shopping, on va faire des voyages qui peuvent coûter cher, etc., pour préparer ce moment-là. Et peut-être tout le monde qui va assister à ça peut donner quelque chose de matériel. Voilà, telle somme de dollars, telle somme de dinars, etc. Bon, jusqu'à ce stade-là, c'est bien. Mais une fois que tout le monde est réuni, d'habitude que cette fête-là soit une vraie fête, ou un bon mariage, on trouve le contraire. On trouve le summum de la jalousie, le summum de l'ignorance, un concentré horrible d'agressivité et d'insinuation. On est provocateur avant d'être provoqué. On prend pas un masque. À cette occasion-là, on prend tous les masques possibles, pour ne pas être démasqué, d'après eux. Mais en prenant un seul masque, on va toujours être démasqué. Que dire de plusieurs masques? Parce qu'une fois le premier, on le fait tomber, tout le reste va avoir la même chose comme un jeu de cartes ou un jeu de domino. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Évitez, s'il vous plaît, ces étourderies-là. Évitez ce gâchis-là, ces gaspilles-là, parce que votre ennemi juré, c'est Satan. Vous voyez qu'il vous incite à payer, à payer, à attendre, et à, comment dirais-je, à rêver et rebasser. Et au moment opportun où vous allez vraiment vous considérer vraiment des êtres heureux, et voilà que le malheur tombe sur vous tous, à part quelques-uns qui peuvent tirer leur épingle du jeu et déguerpir avant que ça ne devienne intolérable et, comment dirais-je, affreux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.